tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le jeudi 19 novembre et on se retrouve pour un petit unboxing. Yeah, il est là, il est arrivé, enfin je dis enfin, mais il est arrivé quand même super rapidement. Je tourne la caméra, je vous fais voir. Et on discute après. Alors, j'ai déballé en fait le DP. Hein. Je l'ai enlevé du carton. Donc, il est arrivé dans un état relativement correct. Bien emballé. Bon, je fais hop, je passe pour pas voir les adresses. Il était bien scotché de partout. Très bien. Le carton n'est pas abîmé. Donc, c'est un très bon point. Donc, alors, je vais sûrement écorcher le nom, je suis désolée. J'ai commandé le DP chez Manui Rachel Store. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, je voulais tester parce que j'entendais beaucoup de personnes dire du bien de ce vendeur. Donc, j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait. Donc, franchement, livraison ultra rapide. J'ai commandé, alors je sais plus quand est-ce que je l'ai commandé. Je vais rechercher, je me rappelle plus exactement de la date, mais je l'ai reçu en même pas 15 jours quoi. Et enfin, non, rectification. Elle envoie par FedEx. Donc en soi c'est très bien, sauf que moi bien entendu avec la chance que j'ai, FedEx, le livreur, il est arrivé à la maison et bah je sais pas, il était en retard dans sa tournée sûrement, résultat il n'a pas pris la peine de sonner, ça fait qu'il a juste déposé l'avis de passage dans la boîte aux lettres parce que toute la journée, je vous garantis toute la journée, il y avait quelqu'un à la maison. Mon mari est resté exprès pour réceptionner le colis et du coup j'aurais dû l'avoir jeudi dernier, donc le jeudi 12 novembre et du coup ça fait une semaine que je me bats avec FedEx pour une nouvelle livraison et là j'ai enfin pu le récupérer ce soir, donc je suis assez contente, mais dans l'ensemble voilà, une livraison très rapide par rapport aux autres vendeurs et je vais ouvrir, je suis impatiente de le découvrir. Donc je tourne la caméra et je vous fais voir ça. Donc c'est la première fois que je commande chez elle. J'espère que je vais être aussi satisfaite que tout le monde, mais je pense pas qu'il y ait de risque. Alors donc j'ai déballé. J'ai tout ça. Deux strass. Je coupe pour éviter le bruit et je reviens après. Alors je vais vous éviter la phase où je contrôle toutes les références pour savoir si elles y sont. Je le ferai hors caméra. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus sympa pour vous. Voilà. Donc je regarde. Alors j'ai un peu peur. Quand je vois la feuille de route, ça me fait peur. Donc bon ben voilà, comme dans mes habitudes, c'est un grand. Il fait 100 par 70. Voilà, 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 voilà. Et je regarde la feuille de route et je m'aperçois qu'il y a 90 couleurs. Voilà, je vais m'amuser. J'ai quand même du 310. Hein. Je pensais m'en sortir, mais non. Il y a du 310. Beaucoup moins que celui que je suis en train de faire. Mais je vois qu'il y en a quand même 3833. Voilà. Ça devrait bien se passer. Alors, je vous montre quand même ce que c'est. Donc, c'est un montage de nous quatre. Donc, de mon mari, de moi et de mes deux filles. Donc, j'ai hâte de le faire. Et voilà.
Donc, ma fille Laura, ma plus grande, et ma fille Jenny. Et donc, vous voyez, un 100 par 70. Et voilà la feuille de route avec 90 couleurs. Je vois que il y a des petits traits, donc je pense qu'elle a déjà contrôlé de son côté, mais bon, par habitude, je vérifie quand même, mais je le ferai après. Et je suis trop contente parce que je vois les couleurs, enfin, il y a des couleurs magnifiques. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a des dégradés, il va avoir un dégradé de bleu. Juste magnifique, de bleu et de vert. En plus, j'ai l'impression qu'elle a déjà mis un petit peu par couleur dans ses sachets. Donc, c'est cool. Enfin, j'espère que vous voyez bien. Hop. Et le dernier, un peu plus petit. Pardon pour vos oreilles. Alors visiblement, il y avait avant, il y avait pas mal de rivières parce qu'elle elle faisait avec le papier opaque. Et apparemment là, elle fait avec le papier plastique transparent. Donc bah, pour moi, ça sera une première aussi. J'ai jamais fait avec du papier transparent. Je ne sais pas ce que ça donne. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est très bruyant. Donc je ne sais pas, je vais voir. Ouais, donc c'est bien du film transparent. Oui, d'accord. Ah ouais. Allez, je vais me régaler, je crois bien. Ah, déjà sans les diamants. Franchement, sans les diamants, il est top. Ah, il est pas. Il est top. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre bien à plat et puis je vais vous le filmer parce que là, bah lui aussi, il va dépasser mon bureau de toute façon. Donc je tourne la caméra et je vous fais voir ça. Et du coup, comme kit, je vous ai pas montré, c'est dans un petit sachet. Alors, c'est très très classique. Je vais vous sortir. Donc il y a deux stylets roses comme ça. Donc avec le petit embout. Le petit embout normal. Et puis de l'autre côté, le petit embout avec plusieurs strass à poser en même temps. Donc j'en ai deux. Une petite pince comme ça que je ne me sers pas du tout. Mais bon, c'est comme ça, hein. Des petits sachets plastiques. Donc ça, c'est toujours bien. Et bah, elle est généreuse parce que j'ai trois carrés de colle comme ceci. Et par contre, bah, petit bémol, la barquette verte sans bec verseur. Donc j'aime pas trop. Moi je préfère les petites coupelles blanches avec le bec verseur. C'est beaucoup plus pratique pour reverser quand on en a trop et qu'on veut remettre dans les petits flacons. Voilà, mais bon, c'est classique, mais il y est. Donc je vous ai fait voir quand même. Alors voilà.
J'essaie de vous le filmer donc sur mon lit. Donc il est juste magnifique, hein. C'est exactement ce que je voulais. Donc je suis super contente. Vous voyez, il n'y a aucune rivière. Il n'y a aucune rivière et du coup... voilà, c'est le papier, donc ce que je vous disais là, transparent. Et vous voyez, c'est super bien imprimé, hein. C'est très net. Hein. Il n'y a aucun souci, je zoome. Voilà, c'est net. Sans rivière, on voit bien les symboles, on voit bien les chiffres, les lettres. Et les symboles, même dans les parties un peu plus noires, on voit très bien. Donc voilà, je suis super contente. Donc je vous le rappelle, hein, c'est un 100 par 70. Voilà. De toute façon, je vous referai voir au fur et à mesure que je le fais, comme d'habitude. Donc voilà, je suis super contente d'avoir ce DP. C'est un montage qui a été fait. Alors, il n'a pas été fait par Lulu et Doudou, mais par une autre personne d'un autre groupe. Je ne sais pas si elle souhaite que je donne son nom, donc je ne dirai rien. C'est vrai que je vous ai fait tout de suite la vidéo. J'ai pas pensé à prendre contact avec elle aujourd'hui. Enfin, ça a été compliqué. Grosse journée aujourd'hui de travail, donc j'ai pas pris le temps de la contacter. Mais si elle me donne son accord, je mettrai son nom dans les commentaires, juste en dessous. J'ai fait la vérification des références. Alors, j'ai pas de soucis. J'ai des références où il y a beaucoup plus que ce qui est prévu. Le seul souci que j'ai, alors je vais la contacter, c'est que là, vous voyez, c'est la référence... 950, je devrais avoir un sachet et en fait j'ai du 951, j'ai un sachet. Donc je sais pas après s'il y a une grosse différence entre le 950 et le 951. Je vais voir avec elle, je vais voir ce qu'elle me répond. Et puis sinon bah si je trouve pas, et bah, j'enverrai une enveloppe à quelqu'un d'un groupe et puis je demanderai du 950 si c'est vraiment le 950 qu'il faut. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et ciao, ciao. Bye, bye.